Good morning. Allez, Iden Letus, aujourd'hui le Nishmat Abraham Chayin, Robert Ben Fortuné Mazal, Yedida Batester, Chaya Batutova, Rachamim Ben Rosa. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, protégez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Bechorot, Perikvav, Mishnah Yudbet. Eilu, She'en Shochatin Alehem, Loba Migdash, Veloba Medina. Chavarvad, Ve'amaim Shenan Kevouim, Ve'chitav Apnimiot, She'nif Gemu, Avalo She'neko. Ubal Gara, Ubal Yabelet. ובעל חזזית וזקן וחולה ומזוהם ושנעבדה בו עבירה ושהמית את האדם על פי יד אחד או על פי הבעלים וטומטום ואנדרוגינוס לא במקדש ולא במדינה רבי ישמעאל אומר אין לך מום גדול מזה אין מום גדול מזה אחרי אומרים אין או בכור לא נגנז אלא נגנז ונעבד נגזז ונעבד סביבה. On conclut maintenant le chapitre de Brot avec. On fait le point d'abord de tout ce que vous avez dit à la fin de la Mishnah précédente, c'est une introduction à la dernière Mishnah du Perek. Dans tout le chapitre, on a appris les différents défauts qui invalident le korban de manière générale, ou le Bechor particulièrement, qui vont permettre de pouvoir l'égorger à l'extérieur du Beth Amikdash. C'est-à-dire, le Bechor, lorsqu'il naît, il est kadosh. Il faut en faire un korban. Seulement, lorsqu'il va avoir un défaut qui va être inapte à monter sur le Mizbéach, dès lors, eh bien, les Kohanim auront le feu vert maintenant pour pouvoir égorger ce Bechor chez eux à la maison et le consommer. Avec des halakhot particulières qu'il fallait pas, il ne faudra juste pas le tondre et pas le faire travailler, mais juste l'égorger et le manger. On avait même appris dans les chapitres précédents comment vendre la viande. D'accord, c'est ça, on en a besoin pour mieux comprendre la fin de la Mishnah. Donc, on a passé le chapitre, maintenant 11 Mishnayot, à découvrir toutes sortes de défauts, de la tête aux pieds, toutes sortes de choses qui vont invalider un korban pour monter sur le misbéach. Jusque-là, on a appris donc les défauts qui font que le korban il est invalidé totalement, et de ce fait, on aura le droit de... les kohanim pourront lui faire la shrita, et le consommer de manière profane complètement. Dans notre Mishnah, on va découvrir quelque chose d'intermédiaire. Des défauts passagers, provisoires, que tant qu'ils sont là, on ne peut pas en faire un korban, mais ils ne sont pas assez ancrés en lui pour pouvoir lui permettre de faire la shrita. C'est-à-dire, en général, ce sera passager, en fait. À une seule exception, ce sera le zaken, celui qui est trop vieux. C'est toutes sortes de défauts qu'en état, tu ne le fais pas monter sur le misbéach. Ce n'est pas digne du misbéach, il a un défaut. Mais c'est un défaut qui n'est pas assez fixe. Ce n'est pas encore un moum kavua, ce n'est pas un moum assez ancré. C'est pas... Ouais, il n'est pas encore... De ce fait, on n'aura toujours pas le droit de lui faire la shrita. Il faudra patienter qu'il ait un autre moum qui va tomber, ou qui va guérir, et qu'on en fera finalement, on le fera de lui un korban. D'accord ? Et donc la Mishnah m'enseigne, Elo she'en shochatin alehem, lo bamigdash, ve lo bamedina. Tels sont les défauts pour lesquels on ne fera pas la shrita au Beth Amikdash, et pas non plus bamedina, dans le reste du pays, c'est-à-dire, c'est des défauts qui vont invalider pour le misbéach, sans pouvoir permettre de faire la shrita de manière profane. Et qui sont ? Alors du coup, il y aura un parallèle entre cette Mishnah, différents cas de cette Mishnah, avec des choses qu'on a apprises durant tout au long du Perek. En l'occurrence, on a Chavarvad Ve'amayim Shenam Kevoim. C'est en référence avec la Mishnah Gimel, qu'on apprenait justement des défauts des yeux qui leur maillaient trop, ou encore Chavarvad, c'est qu'il y avait dedans, je ne sais pas, des sécrétions blanches et épaisses. Et on avait appris là-bas des sortes de remèdes pour le guérir, ou bien pour définir est-ce que c'est un moum qui était kavua. Maintenant, si c'est un moum qui n'est pas kavua, c'est-à-dire qu'en fait, on a bien conscience que c'est passager pour le moment, en ce moment, comme moi, lorsqu'il y a la floraison, et bien ça fait des allergies, il y a les yeux qui font que de larmoyer, et le nez qui veut. D'accord ? Ça peut être un défaut passager, c'est pas grave. La saison du pollen, elle va passer, puis après ça ira mieux demain. D'accord ? Et bien selon le même principe, et donc on avait appris là-bas des choses, on n'a qu'à parler directement avec la Mishnah d'ici. Si toutefois on est dans une saison par exemple où on sait que c'est passager, il y a des sécrétions blanches qui lui sortent des yeux, il y a des larmes qui lui sortent des yeux constamment, donc c'est un défaut, mais c'est pas un défaut assez fixe parce qu'on sait que ça va se réparer avec le temps. Donc tu le fais pas monter au misbéach, mais c'est pas suffisant pour lui faire la shrita. Idem encore, vechitav apnimiot shiniv gemu. Là je sais plus, il faut remonter dans le Mishnayot, je crois que c'est juste plutôt dalet ou hé. Ou là-bas, on avait parlé des... Ouais, c'était ça dans la Mishnah Alet.
On avait parlé des dents. Khitav, c'est les dents, les mâchoires, les molaires. Donc, on parle des... Là-bas, on avait appris qu'en fait, il y avait les dents externes et les dents internes. On était très marmire sur les dents internes, externes plutôt, que là-bas, il pouvait y avoir des défauts qui invalident le corban. Tandis que pour les dents internes, plus proches... Alors là-bas, plus proche de la gorge, c'est-à-dire plus en direction de la profondeur de la bouche, alors là-bas, ça n'invalidait pas le corban. La Mishnah maintenant enseigne que non. Le corban, tu pourras pas en faire un corban, mais tu pourras pas non plus l'égorger, si c'est un béchor. Parce que c'est encore passager, c'est pas assez extérieur. Même si c'est pas passager, franchement, parce que ça va pas se réparer tout seul, en fait. Donc c'est lorsque l'on a les dents internes, chez Nif Gemou, qui ont eu un coup, elles ont été cassées partiellement, ou encore, Avalo chez Nekro, mais qui n'ont pas été arrachées totalement. Si ça a été arraché totalement, on avait appris que c'était un défaut fixe. Là, c'est juste que Nif Gam, donc c'est encore, ça existe encore, mais ça a été partiellement cassé. Alors dans ce cas-là, donc on n'en fait pas un corban, mais c'est pas un défaut assez fixe. Ou encore, ou Baal Garav, ou Baal Yabelet, ou Baal Chazazit. Trois choses qui sont explicites dans la Torah, dans la prochaine parachute, je crois que c'est dans une mort, ou je sais plus, dans une parachute, on verra, Averet, ou Shavur, ou Garav, ou Yalefet, et comme ça la Torah donne tous sortes d'exemples de défauts. Lorsqu'on vous verrait ces mots, ben, souvenez-vous qu'on en aura parlé ici. Baal Garav et Chazazit, ce sont deux sortes de shrin, d'ulcères. Non, je ne veux parler que de Garav pour le moment. Garav, c'est une sorte d'ulcère, d'accord, qui invalide, mais ça dépend, à condition que le partenaire du mine shrin lach mi bachus mi mine. Shrin, c'est quand on a un cas shrin. Cette messière là-bas, dans le sardinien, aro de verre, shrin, les ulcères. Il y a des plaies comme ça où ça fait couler du pus et du sang. Eh bien, donc si on a un corban qui est comme ça, qui a un garav, mais que c'est humide à l'intérieur et à l'extérieur, à la différence de celui qui est sec. Il y a deux sortes d'ulcères. Celui qui est sec, c'est un défaut fixe. Celui qui est humide, c'est-à-dire qui est plutôt mouillé, quoi, qui n'est pas sec, eh bien, c'est un défaut qui est passager. En l'état, tu n'en fais pas un corban, mais ça ne permet pas de faire la shrita. Ou encore au bal, il y a belet, c'est celui qui a, littéralement, il y a belet en hébreu moderne, c'est une verrue. Même Rashi, constamment, dans la chasse, il écrit en belaz, verrou, verrou à belaz, ça fait verrue. Il y a belet, donc c'est une verrue. Dans les yeux, le beurre tellement précise, dans les yeux, on avait appris que. Dans les yeux, on avait appris ça dans deux Mishnayot, en fait, durant le Pérec. On avait appris que dans le blanc des yeux, il n'y a pas de défaut, mais on avait appris que s'il y a un poireau avec un poil qui sort, là, c'est un défaut qui est invalide. Là, maintenant, on va parler du poireau qui n'a pas le poil. Alors, on avait appris que ce n'était pas un défaut suffisant pour permettre la shrita, mais malgré tout, on ne pourra pas en faire un corban avec ça. D'accord ? Ça, c'est la Yabelet. Ou Baal Chazazit. Chazazit, c'est une sorte de... je ne sais pas si c'est une verrue, il traduit ça aussi, il y a l'effet. Il y a l'effet, c'est... je ne sais pas exactement ce que c'est. Une autre sorte, encore une fois, de... Cette fois-ci, on parle sur la peau. Une sorte de verrue, mais on différencie de nouveau celle qui est sèche à l'intérieur et à l'extérieur, ou celle qui est humide, qui est frais, qui est encore... qui n'est pas sèche à l'extérieur, mais qui est à l'intérieur. Ça dépend de ces deux sortes d'ulcères. En Mitzrayim, par exemple, en l'occurrence, il y avait des ulcères. La Gemara précise que c'était l'ach mi bifnim et yavesh mi bachutz, au contraire. Et ça fait que la difficulté de ces types d'ulcères, c'est qu'on ne peut pas les réparer. Lorsqu'on a la peau qui est sèche, alors on peut humidifier la peau et la réparer ainsi. Et lorsqu'on a la peau qui est toute perforée, mais que c'est humide, alors peut-être qu'au contraire, il va falloir sécher pour que ça puisse pouvoir se réparer. Le problème d'un ulcère qui est à la fois sec et humide, c'est qu'on n'a aucun moyen de le guérir. Si on met le mot du sec, ça va accélérer, accentuer l'autre, celui de la partie sèche. Enfin, on s'est compris, d'accord? Je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble un ulcère dans la peau, en fait. J'imagine que c'est toutes sortes de avec le ménage de Pessah, on voit ce que c'est, des fois, la peau qui craquelle. C'est un peu le même principe. Et on continue. Au Baal Vezaken. Alors là, on parle de l'animal qui est trop vieux. On n'a pas précisé, c'est précisé nulle part ici, à partir de quand on considère que c'est trop vieux. Quand il vient, il traîne la patte, il a l'air fatigué, je ne sais pas exactement, ils n'ont pas précisé de chiour en fait. Et le Tiferet Tzal, il apporte chez Rotet Mahmoud Zikna, tu vois, qu'il tremblote. D'accord? Il tremblote à cause de la vieillesse. Bon,
Ça laisse une petite idée à quoi ça ressemble. Donc là, le Coran il est invalidé pour le Misbéach, mais ce n'est pas un défaut assez fixe pour pouvoir permettre de lui faire la Shrita. Vecholé est celui qui est malade, aussi de l'Otifat Israël cette fois-ci, que Shaino et Soukan. Mais de nouveau, Rotet Mahmat Cholio, il tremblote à cause de sa maladie. Ou encore, donc on ne le fait pas monter sur le Misbéach, mais malgré tout, il n'est pas encore, c'est pas une raison de lui faire la Shrita, ça va lui passer, ça peut lui passer. Ou Mezouham, c'est celui qui dégage une odeur nauséabonde. On a beau le laver, il sent pas bon. Mais, ou encore, maintenant, donc pour tous ces corbanotes, tous ces types de défauts, ce ne sont pas des défauts assez ancrés pour pouvoir permettre la Shrita Khoulin, mais malgré tout, ils sont suffisants pour dire que tu ne le feras plus monter sur le Misbéach. Mais Chenev d'Abo Avera, et encore celui, l'animal avec lequel on a fait sur lui une Avera. Ça implique, je ne sais pas si on dit l'inceste pour les animaux, mais c'est le même principe, d'accord? Ça peut être un mâle, ça peut être une femelle, peu importe. Donc, il a été invalidé. Mais, il y a une précision importante, ça veut dire tout de suite, on inclut d'abord deux cas de figure. Il y a celui avec qui on a fait une Avera, ou encore Vechehemit Atadam, ou encore le taureau qui a tué un homme. Mais, Alpi Edechad ou Alpi Abéalim, pour les deux cas derniers qu'on a rapportés, c'est que c'était qu'il y avait soit un seul témoin, soit c'est le propriétaire lui-même qui l'a vu tuer. C'est-à-dire, on explique. S'il y a deux témoins qui ont vu un taureau tué, ou deux témoins qui ont vu un taureau qui a fait une femme, qui l'a amené sur elle, un taureau par exemple. Une alcha, s'il y avait deux témoins, il faudra tuer le taureau. On doit lui faire une skila. Shor Isakel, il y a marqué dans plein d'endroits dans la Torah, Shor Isakel, on fait la skila. On lapide le taureau. C'est la fin de la Vera. S'il a tué quelqu'un, ou s'il y a eu un rapport avec un homme. Eh bien, ça c'est que quand il y a deux témoins. Et quand il y a un seul témoin, ou encore mieux, le propriétaire lui-même, il a vu son taureau, quelqu'un, il a utilisé son taureau pour faire ce qu'il a fait. Il y a un seul témoin, ou c'est lui-même le témoin, on ne va pas pouvoir tuer le taureau, parce que Al-Pishna il me dit, mais à Koum Davar, il faut nécessairement deux témoins. Mais malgré tout, moi je sais que mon taureau, il a un problème. Je peux pas en faire un corban. D'accord? Ça c'est quand c'est Alpi et Dechad. Pour tout, c'est Averot, on ne pourra pas le faire en tant que corban, mais malgré tout, on n'aura pas le feu vert pour pouvoir faire la Shrita d'un Bechor. Et on continue encore, Vetum Tum Vandroginos. L'opamigdash ve l'opamedina. Alors, androgynos, c'est comme en français, androgyne. Il a les deux sexes. Mâle et femelle en même temps. Tumtum, c'est au contraire, il n'en a aucun. Je ne sais pas exactement comment ça se traduit en français. C'est qu'en fait, il a une peau qui recouvre le tout. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. Est-ce que c'est un mâle ou une femelle? La Gemara, elle rapporte souvent qu'on parle de tumtum chez Nikra. Il peut y avoir un moment où la peau, elle va se déchirer et puis on va finalement voir quel était son sexe, mâle ou femelle. Mais pour le moment, c'est recouvert. J'imagine qu'il quand même réussit à uriner, quoi. Enfin, mais en tout cas, la partie génitale elle-même, elle est voilée. Ça, c'est Tumtum. Et Androgynos, c'est qu'il a les deux. Donc, dans tous ces cas de figure, ce sont des défauts qui font qu'on ne peut pas en faire un corban. Mais malgré tout, ce n'est pas une assez bonne raison pour pouvoir lui faire la Shrita selon le premier avis de la Mishnah. Parce que c'est pas encore un défaut assez fixe. Il faut attendre plus. Rabbi Ishmael Omer, El Mum Gadol Mise. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Bien sûr que c'est un super défaut, tu te rends compte? Un mâle qui a en plus de ça un membre de femelle, c'est sûr que c'est un super défaut. Vachachamim Eno Bechor. Et la nignaz venevad. Chamimène veut dire, c'est même pas un Bechor. Et tu pourras lui faire, même si tu veux lui tondre sa laine, ou même travailler avec lui. Et on explique un petit peu mieux la différence. On parle là, on parle que sur l'androgyne, qui a les deux membres. Mâle et femelle en même temps. On a trois avis. Le premier avis de Michel, il nous dit, c'est un défaut, mais qui ne va pas encore te permettre de faire la Shrita. Rabbi Shmuel, il va te dire, bien sûr, c'est un super défaut. Et donc tu vas pouvoir lui faire la Shrita. Mais il est Bechor avec un défaut. Selon Chachamim, de la fin de la Mishnah, ils te disent que c'est même pas un Bechor. Un Bechor, bien ça faut préciser peut-être. Bechor, c'est un mâle, c'est pas une femelle. D'accord? Donc si maintenant il a les deux membres, Chachamim viennent et te disent c'est même pas un mâle normal celui-là, c'est un membre du troisième type, c'est un bi. C'est Beria Befinatmor, le partenaire, il nous dit, c'est une créature indépendante, c'est pas que c'est un homme avec un défaut, c'est un homme du troisième type. C'est pas un homme, c'est autre chose.
C'est une femme-homme. C'est autre chose. Donc, de ce fait, selon Chachamim, il n'est même pas Bechor. C'est comme si c'était une femelle qui était née. Si c'est une femelle, il n'y a pas de doucha de Bechor dans une femelle. Tandis que Rabbi Shimon te dit non, c'est un mâle avec un défaut. Et Tanakame te dit c'est un mâle avec un défaut qui n'est pas assez accentué pour pouvoir permettre de faire la shrita. D'accord ? On a vu les trois avis. Donc, il y a la halakha établie comme Chachamim que c'est un être du troisième type, c'est ni un mâle ni une femelle. Et donc, dans ce cas-là, il n'y aura aucune gdoucha dans un animal pareil. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de slachakol, tout ça.